Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de 2 points sur le i. Le numéro d'aujourd'hui est un petit peu particulier. Il a été tourné au mois de décembre au Mexique où je participais à un toxitour pour être témoin de zones contaminées par les multinationales, par des multinationales françaises et des multinationales européennes. Et tout ça, c'est la conséquence des accords de libre-échange qui sont signés entre l'Union européenne et le Mexique. Alors aujourd'hui, on va aller à Puebla. Puebla, c'est une ville où s'est installée l'entreprise Volkswagen. Pour chaque voiture construite, il faut compter entre 500 et 800 000 litres d'eau. Et pour ce faire, elle fait appel à une autre multinationale de chez nous qui s'appelle Veolia. Et le problème, c'est que Veolia, là-bas, a privatisé l'eau. C'est accaparer l'eau qui est le bien commun des habitants de cette ville. On en parle avec Andrés Barreda, qui est professeur d'économie à l'Université de Mexico, la UNAM. Veolia es la principal empresa en el mundo que privatiza organismos operadores urbanos. La ciudad de Puebla, su organismo operador de agua potable está en manos de Veolia. Entonces, claro, Veolia toma el agua para venderla en la ciudad. Es un despojo neoliberal que se desarrolló con el libre comercio. Esa, como usan mucha agua y la ciudad crece sin control, van tomando agua de afuera de Puebla. Pues acá enfrente, del otro lado de la carretera, hay un pueblo que se llama San Francisco Cotlán y otro que se llama Coronando. Háblale. Esos pueblos estaban presentes aquí en el mismo. Veolia llegó a hacer pozos en sus comunidades para tomar agua de sus comunidades. Lo que pasa es que ellos ya tienen el agua muy abajo. ¿Por qué? Porque Volkswagen sobreexplota el agua del acuífero y ha ido desde que está aquí, tienen aquí 50 años, desde que están, toda el agua superficial desapareció y el agua está cada vez más profunda. Entonces, claro, los grandes enemigos del agua aquí son Veolia, francesa, y Volkswagen, alemana. Aujourd'hui, je suis de retour en Europe. Je suis d'ailleurs aujourd'hui là au Parlement européen à Strasbourg. Et dans les mois qui viennent, vous pouvez compter sur nous pour continuer le combat. Surtout, on va se battre parce qu'il y a un nouvel accord de libre-échange qui va être négocié, qui va être signé entre l'Union européenne et le Mexique. Et nous, on va se battre dans le cadre de ces négociations pour empêcher cette nouvelle forme de colonialisme qui a lieu actuellement au Mexique, où des entreprises multinationales se permettent de faire des choses que jamais elles ne se permettraient de faire ici en Europe. Elles se permettent de s'asseoir sur les droits sociaux, environnementaux, de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça, c'est pas possible. Si ce numéro vous a plu, si la question vous a intéressé, je vous invite à revisionner les vidéos qu'on a réalisées pendant le Toxitour et qui sont en lien tout en bas de cette vidéo sur lesquelles vous pouvez cliquer. À bientôt pour de nouveaux épisodes de 2 points sur le i.